m'appelle Margot Pinault, j'ai 24 ans, ça fait 17 ans que je fais du judo et c'est ma troisième saison à l'ESBM judo. Donc Alain m'a beaucoup apporté techniquement et voilà, je pense qu'il fait un travail énorme avec toutes les filles du club et ce qui explique les résultats qu'on a aujourd'hui aussi. J'ai gagné le Grand Chelem d'Abu Dhabi, ensuite j'ai gagné les France la semaine d'après. Et je fais récemment troisième au Grand Chelem d'Osaka la semaine dernière. Donc je voulais surtout remercier chaleureusement le club de l'ESBM, son président Jean-Pierre Floret et mes camarades de club. Et bien sûr Alain Schmitt qui nous fait bosser énormément pour ses résultats. Le fait que la ville ait choisi de me mettre à l'honneur ce soir, ça me fait énormément plaisir. On est fiers, je pense, de représenter un club, une ville au niveau national et international. Margot, au sein du club, c'est vraiment un élément moteur. Elle fait partie des premières filles élites du club. Et c'est vrai qu'elle aide tout le monde à progresser. Les principales qualités de Margot sont vraiment, le courage, ce qui est d'ailleurs noté dans notre code moral. Et c'est vraiment une sportive complète, aussi bien psychologiquement que techniquement. Elle est vraiment tout le temps dans la recherche et elle est très impliquée, appliquée, ce qui fait d'elle aujourd'hui une athlète possiblement présente aux Jeux Olympiques, mais aussi championne du monde. En dehors, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment une bonne personne, une personne de qualité avec laquelle on peut avoir de grandes discussions. Margot, tout ce que je souhaite, c'est que tu continues comme ça, parce que je sais très bien que tu as une voie royale devant toi si tu continues comme ça. Donc reste sur la même ligne et tu continueras à avancer et puis tu chercheras les plus belles médailles dans peu de temps.